Le président de la Sierra Leone est arrivé ce matin à Conakry, ce dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Freetown. Julius Madabio est accueilli à sa descente d'avion par son frère et ami, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la transition. Le film du cérémonial d'arrivée à l'aéroport de Conakry, c'est avec Ansmane Toumani Camara. En cette matinée de fraîcheur, après une forte pluie à l'aube sur Conakry, la délégation présidentielle de la Sierra Leone foule le sol guinéen à 9h30. Julius Madabio est accueilli au bas de la passerelle par le colonel président Mamadi Doumbouya, président de la transition. En présence du premier ministre, du corps diplomatique, du commandement militaire et des membres du CNRD, les deux hommes d'État sont sur la tribune pour l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, et son hôte passent en revue des corps constitués et saluent les deux présidents des institutions de la République réhabilitées, de la hiérarchie militaire et du corps diplomatique accrédité à Conakry. Puis, au salon d'honneur de l'aéroport de Conakry, les présidents guinéens et léonais ont eu un premier tête-à-tête. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve ce matin à Conakry auprès de mon frère, président colonel Mamadi Doumbouya. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens traditionnels entre nos deux peuples et des accords de coopération entre Conakry et Freetown. Nous parlerons aussi de la sécurité et des activités économiques entre la Guinée et la Sierra Leone. What is it that we can do together to keep our people safe? Colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, a conduit par la suite son homologue de la Sierra Leone dans un hôtel de la capitale pour des entretiens sur les différents sujets à l'ordre du jour de cette visite d'amitié et de travail à Conakry.